La vieille humanité est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Elle est dans un non-sens absolu. Nous sommes dans un chaos absolu. Et jusqu'à présent, nous n'avons su, l'humanité en général, n'a su s'exprimer que dans une logique dualiste, le bien contre le mal, etc., les uns contre les autres. On ne sait s'exprimer que par des rapports de force, alors que là, nous allons entrer dans une dimension, nous sommes appelés à entrer dans une dimension dont nous avons l'information à l'intérieur de nous, mais que nous avons à maintenant à réaliser. Et cette information, j'allais dire d'une façon un petit peu brutale, si vous voulez, c'est que nous passons de l'homme animal à l'homme Dieu. C'est-à-dire que l'homme est un dieu en puissance. Il est engrammé, si vous voulez, chacun de nous est engrammé pour devenir à l'intérieur de lui un seigneur, devenir ce seigneur. Et on nous a toujours appris dans nos catéchismes, qu'ils soient catholiques, chrétiens ou autres traditions, que le dieu est à l'extérieur de nous, au lieu de nous informer qu'il est à l'intérieur de nous et que nous avons à le devenir, à être épousés de ce Dieu intérieur à nous. Et c'est ça qui marque aujourd'hui notre humanité. Et nous voyons en particulier, moi je suis très attristée justement de voir ce chaos, mais je crois que nous ne pouvons pas l'éviter. Et c'est de ce chaos apparent de la pourriture que naissent les plus belles fleurs.